Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne, La Petite Mélange. Donc, bienvenue aux fidèles, aux nouveaux abonnés. Et puis, ceux qui vont pas hésiter à aller le faire de ce pas, j'en suis sûre, histoire de soutenir ma chaîne. Voilà. Et puis, pour ne plus manquer aussi les intemporels qui vont arriver à partir de la semaine prochaine. Donc, comme ça, pas besoin de s'occuper de la date. Vous regardez le thème si ça vous parle. Et comme je vais faire très très large, je pense que ça parlera pour beaucoup d'entre vous. Voili-voilou. Bon, alors là, du coup, on se retrouve pour voir votre énergie comme nous faisions jusqu'ici pour la journée du vendredi, donc 16 juillet 2021, avec... Je suis en train de bugger avec Béline. Voilà, j'ai oublié son nom. Avec l'oracle de Béline et l'oracle des miroirs. Donc, c'est parti. On démarre avec un tirage général, donc avec Béline. Où déjà, on veut nous parler de renommée, de succès, de reconnaissance qui va venir à vous, quel que soit le domaine, selon ce que vous avez à l'esprit. N'oubliez pas, mes amis, que ça reste du général. Là, je ne suis pas en train de faire un tirage exprès pour vous, rien que pour vous. Donc, si ça l'est, tant mieux. C'est cool, c'est le but. Mais peut-être que aujourd'hui, ce ne sera pas pour vous. Ou peut-être que dans le général, il y aura des choses qui vous concernent et pas dans le sentimental ou à l'inverse. Donc vous prenez vraiment le tout si le tout vous parle, un début par-ci par-là ou rien si c'est pas pour vous. N'allez surtout pas prendre quelque chose parce que ça ressemble un peu et l'arranger pour vous. Voilà, c'est vraiment si ça vous parle fortement, si vous ressentez quelque chose en vous quand vous écoutez et vous regardez le tirage. Très important. Là, on nous parle de départ, de ruines, de nouvelles. Donc, pour certains, certaines, il y a du nouveau départ dans l'air suite à un contexte, une relation, quelque chose, une démarche qui prend fin, qui s'écroule. Il y a quelque chose vraiment qui va arriver à son terme, un gros chamboulement, quelque chose qui va s'effondrer. Mais on est bien dans le sens aussi pour un nouveau départ, hein. Et il y a des nouvelles qui arrivent là. Donc, ça peut évidemment être un départ au niveau... on va dire des énergies parce que les choses évoluent si ça concerne par exemple des démarches ou des changements par exemple professionnels. Mais après, on est dans du vrai départ aussi concret pour d'autres qui souhaitent déménager, qui souhaitent aller s'installer chez le chéri, la chérie ou qui souhaitent une mutation professionnelle. Là, dans ces cas-là, pour vous, on parle bien d'un départ physique. Pour les autres, c'est un départ... un nouveau départ parce que les choses évoluent suite à quelque chose qui va prendre fin ou un nouveau paramètre qui va pointer le bout de son nez et qui va permettre de clôturer quelque chose. Là, ça va être un petit peu le petit grain de sable, si je peux dire, la petite goutte d'eau qui va permettre vraiment de faire basculer les choses. Ouh, bah, elles ont voulu parler celles-là. En tout cas, carte bleue, vous êtes protégés, vous et vos projets. Avec cette carte, on vous dit que tout est juste, même ce qui n'est pas très agréable en ce moment fait partie du déroulé des choses. Donc voilà. Et malgré tout, on vous dit que ça va aller. Les choses doivent se dérouler ainsi. Et on nous parle donc avec la destinée, la beauté, qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui vient à vous. En l'occurrence, justement, cette chose qui sera vraiment perçue comme un cadeau, quelque chose de magnifique, hein, j'ai envie de dire ça comme ça, c'est aussi cette fameuse clé de réussite, cette fameuse clé de solution à un blocage. Un peu tel que je l'expliquais avec la carte de la ruine. C'est vraiment un petit peu le paramètre, la petite goutte d'eau là qui vient d'un seul coup s'ajouter, qui pointe le bout de son nez. De diverses façons possibles, sous les traits d'une personne, sous les traits d'un argument, d'un élément nouveau, que ce soit dans des choses, démarches administratives ou je ne sais pas. Il y a le petit truc qui fait que enfin quelque chose de positif et bénéfique vient à vous et que les choses vont enfin s'arrêter, se stopper pour que vous puissiez maintenant mettre votre énergie ailleurs, dans ce nouveau départ. Voilà, tournez la page.
Pour d'autres, il peut évidemment y avoir notion, parce que pas tout le monde a des choses à régler, heureusement, on n'est pas tous tout le temps à avoir des choses en lien avec l'administration ou le juridique. Ça peut être la belle rencontre clé, à titre sentimental ou amical ou professionnel. Les trois fonctionnent. C'est vraiment la synchronicité, la rencontre clé, la personne qui va vraiment... soit vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes, par exemple si c'est professionnel ou même amical. C'est le genre de rencontre, exemple, où la personne, à partir du moment où vous faites sa connaissance, elle rentre dans votre vie, vous discutez, vous échangez, vous apprenez à vous connaître, et en apprenant un petit peu à vous connaître et ce que vous souhaitez comme vie professionnelle, comme changement, etc., va vous dire par exemple, mais attends, mais bouge pas, moi, j'ai un coup de fil à passer, je sais qui c'est qui peut t'aider dans ce que tu souhaites. Par exemple, c'est vraiment la personne un peu qui chamboule votre vie, mais dans le bon sens. C'est la rencontre au bon moment. Donc évidemment, ça peut être la rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi amicale, professionnelle, le genre de rencontre qu'on bénit, qu'on dit, oh là là, mais en fait, depuis que je connais cette personne, grâce à lui, grâce à elle, derrière, c'est enchaîné ça, parce que vous savez qu'il a contribué au changement, parce qu'il avait les bons contacts pour vous, etc. Pour un petit peu imager le genre de rencontre que ça puisse être. On nous parle de découverte, hein, je vous dis, il y a bien des choses qui peuvent pointer le bout de leur nez de façon un peu... comme ça, inopiné, quoi. Nouveaux paramètres, nouvelle vision, une personne qui permet de voir des choses là où on ne les a pas vues, ou en tout cas de nous trouver des solutions là où on n'en avait pas l'accès, etc. Il y a une notion de découverte qui peuvent être faites. Donc ça peut être après pour des choses plus basiques où vous allez découvrir par exemple une offre d'emploi qui vous convient. Voilà. Ou une annonce immobilière. Mais pour ceux qui sont dans des grosses démarches, qui rencontrent un peu des difficultés, des blocages, il y a peut-être comme ça autour de vous des choses qui vont arriver, qui vont justement permettre de solutionner ou que tout ça d'un seul coup se décante d'un coup. On a bien des nouvelles qui viennent à vous concernant des discussions. Donc vous les adaptez, hein, ça peut être discussion pro, discussion juridique, discussion familiale. Bon, c'est de la discussion quand même tendue, hein. C'est le côté un peu discussion, on n'est pas trop d'accord, soit parce que c'est les adversaires en face de nous, ou soit si c'est familial plus personnel, bon, c'est quand même de la discussion un peu vive. Donc il y a peut-être des choses, des retours concernant des discussions ou des négociations. On nous parle d'appui. Je vous ai dit que ça sentait des gens qui allaient vous appuyer ou cette fameuse rencontre clé. Il y a de l'appui dans l'air là. Il y a de l'appui, alors oui, dans l'air à titre céleste, c'est le moment de le dire, mais aussi terrestre. Allez, c'est parti. Parce que ça saute. Ouh, on nous parle de infortune et maladie. Donc on voit effectivement pour certains, alors pour certains, certaines, je vais faire deux choses l'une, niveau santé. Peut-être que vous avez une personne proche de vous, une maman, une tata, une mamie ou une amie plus âgée que vous, plus mature que vous, qui peut-être actuellement rencontre des soucis de santé. Donc ça peut être psychologique, dans le sens elle est très fatiguée émotionnellement parce qu'elle vit des choses pas faciles ou elle est angoissée, stressée par rapport à peu importe quoi, par rapport à des choses dans sa vie. Mais ça peut être aussi, elle rencontre des difficultés au niveau de sa santé et d'ordre plutôt physique ou organique. Hein. Peut-être, voilà, a-t-elle une maladie assez importante, assez lourde, peut-être a-t-elle fait ou une chute récemment, etc. Elle a du mal à s'en remettre. Ça peut être, voilà, quand on est sur, on va dire, une petite mamie, je prends exemple du col de fémur, ça c'est assez... C'est assez, j'ai envie de dire, commun que ça se produise. Bon. Ça, c'est un point. Sinon, on nous parle que c'est vous qui êtes stressé, fatigué, usé, parce que vous êtes dans un contexte qui n'avance pas, quelque chose qui dure certainement depuis un moment et qui, je pense, peut éventuellement durer encore un peu. C'est le genre de contexte où vous vous sentez un peu
aussi possiblement seul, en manque d'appui. Bon, de toute façon, on a vu avant que les appuis, les rencontres clés, tout ça arrive. Mais jusqu'ici, vous étiez peut-être effectivement sans appui, avec un sentiment d'être seul face à vos problèmes. Voilà, et là, ça crée chez vous. Bon, regardez, la santé s'améliore, hein, que ce soit la vôtre ou d'une personne. Et là, sinon, voilà, on est dans un côté de dualité parce que par rapport à ce qui est difficile, ce qui dure en longueur, ce qui traîne, ce qui bouge pas, c'est le fait que soit c'est vous qui n'arrivez pas à trancher quelque chose, à vous positionner, voilà, pour X ou Z raison, hein, par peur, par crainte, par doute, par manque de moyens, etc. Ou soit c'est effectivement bel et bien par rapport à des choses où vous avez des gens en face de vous, des adversaires en face de vous. Et c'est des démarches qui durent depuis un certain temps et vous en avez un peu assez. On nous parle de l'étoile de l'homme. Donc des choses qui viennent pour vous ou éventuellement en lien avec un partenaire de vie. Mais sinon, on vous invite aussi à rester dans une énergie d'action. Bien que vous soyez fatigué, usé, que les choses ne bougent pas trop, l'étoile de l'homme, c'est aussi d'être dans l'action. Et c'est aussi de faire preuve de... Pour le coup, là, c'est le côté plus mental. La femme est plutôt dans l'intuition, dans la clairvoyance. L'homme est plutôt associé à ce côté mental, plus rationnel, plus pragmatique. Voilà, donc on vous invite quand même à comment dire, à poser les choses, hein, à analyser les choses, mais vraiment dans un but positif de pouvoir après mettre en place des actions en toute lucidité, des actions qui seront réfléchies. Allez, on va y aller parce que Béline avait pas mal de choses à dire. Et on verra ensuite ce qu'on fera avec le temps qui nous reste. Tac, tac, tac. Bon, en dos de deck, top. Il y a un bonheur qui vient vous. Quelque chose qui va vous mettre en joie, quelque chose qui va vraiment mais vous faire du bien, vous faire plaisir. Donc ça peut être dans le sens avec ses mains là en coupelle, en coupole, je ne sais jamais comment on dit. Bref, ses mains ouvertes, on va dire ça, ce sera plus simple. En mode, on réceptionne un bonheur, on réceptionne quelque chose qui va vraiment nous procurer de la joie. Donc évidemment, ça peut être quelque chose en lien avec le travail, avec le perso, etc. Mais ça nous met en joue. Avec cette carte de la renommée derrière, on nous dit bien hein, qu'il y a un beau succès qui arrive à vous. Alors, succès dans le sens où on a de l'adversité en face et dans ces cas-là, c'est vous qui gagnez. Ça peut être interprété comme ça, le succès. Un succès parce que, enfin, les choses que vous souhaitez obtenir viennent à vous. Un poste de travail, voilà, etc. Évidemment, le succès, vous l'adaptez en fonction de. Et la renommée, c'est aussi dans le sens où on a une reconnaissance. On peut être reconnu par sa hiérarchie, ce qui nous apporte du coup une belle opportunité professionnelle. On est reconnu dans nos compétences, dans notre personnalité, etc. Mais ça peut évidemment être une reconnaissance dans le milieu, par exemple, juridique. Le ou la juge nous voit comme étant une bonne personne, une personne compétente d'assumer ce pourquoi nous venons solliciter le juge, etc. Bon, top, on nous parle d'élévation, donc il y a bien, pour certaines, il y a bien de la promotion professionnelle dans l'air ou bien une augmentation de salaire. Ou ça peut être une élévation au niveau de la santé. Hein. Les choses s'améliorent au niveau de votre santé si c'est cela qui vous tracasse, si c'est votre problématique à vous du moment, puisque bien sûr c'est général. Ça peut être au niveau du couple aussi, même si c'est pas un tirage sentimental. On est sur un tirage général, donc ça peut vraiment toucher tous les domaines. On nous passe une élévation, une amélioration en lien direct avec des personnes de votre entourage. Donc soit c'est vraiment des liens qui s'améliorent, la qualité du lien qui vraiment va dans le bon sens, si c'est amoureux, amical, même collègue, mais ça peut être aussi par rapport à des choses dont vous êtes en démarche
et que les personnes en face de vous font partie de votre cercle environnant. Et là, dans ces cas-là, on vous dit que vis-à-vis de ces gens-là aussi, les choses s'améliorent. On a la table, des plaisirs de table à partager avec des amis, des proches, donc vraiment dans le sens convivial, on profite, barbecue, apéro, etc. Et puis ça peut être aussi dans un autre cas, le côté où concernant des personnes proches, il y a de la discussion. On avait cette carte de négociation tout à l'heure, les pourparlers. Donc il y a de la discussion, et là ça peut être bon, aussi autour d'une table, mais aussi à un bureau. Donc ça peut être voilà, pour des discussions un petit peu plus officielles, moins personnelles. Quelque chose de beau, confirmation, suite à ces discussions autour d'une table ou d'un bureau avec l'environnement proche ou en lien avec eux. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui vient à vous. Waouh! Vous avez les honneurs. Donc voilà, suite à cette discussion, en gros, vous allez tout droit vers la réussite, vers le fait d'être entendu, d'être reconnu, comme on voyait. Ça peut bel et bien concerner pour certains, certaines, sans aucun doute, le travail. Pour ceux qui ne sont pas concernés par des discussions professionnelles, alors c'est tout simplement le fait que vous allez justement obtenir des appuis, retrouver un équilibre intérieur ou extérieur parce que ces changements vont s'aligner par rapport à vos souhaits, vos objectifs, et de ce fait, vous allez vous sentir à nouveau équilibré, bien dans votre peau, etc. D'être au bon endroit, au bon moment, à la bonne place, etc. Mais ça peut venir aussi d'une aide extérieure. Vous avez aussi un éveil, hein. Il y a des choses aussi au niveau, là, avec le petit casse, ces petites ailes, c'est un peu le côté troisième œil. Vous êtes aussi dans une certaine lucidité, une certaine clairvoyance. Voilà. Donc, il y a un côté, pour les autres que c'était à titre activité, ça peut avoir un lien avec le commerce, hein. J'ai oublié de dire, mais la carte du trafic, c'est tout ce qui est lié aussi au mouvement. Donc ça peut être des travaux en lien avec la route, en lien avec le commerce. Et après, en dehors de cela, c'est aussi une carte qui est liée à l'équilibre, à l'appui, au mouvement, au déplacement. On nous parle de nouveau départ. Donc pour certains, certaines, il y a bien un équilibre du mouvement qui se fait concernant soit le fait de vouloir un enfant, soit le fait en lien des appuis, etc., concernant des projets. Je vous ai dit avec l'entourage proche, et ça concerne aussi des enfants, voilà, pour ceux qui sont dans des choses un peu plus juridiques, des histoires de garde, de tutelle, de choses comme ça. Et puis sinon, bah, on nous dit tout simplement que vous allez bel et bien vers un nouveau départ, vers démarrer une nouvelle période, un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouveau lieu d'habitation. C'est le côté vraiment nouveau et renouveau, intérieur et extérieur. Waouh! Et vous allez bel et bien vers une guérison intérieure. Effectivement, vous allez retrouver un équilibre, une guérison intérieure de tout ce qui pouvait vous chambouler depuis quelque temps. Voilà, ça va être le gros soulagement pour vous, le renouveau vraiment au niveau de vos énergies, de votre être tout entier. Et puis sinon, on est sur du nouveau départ aussi concernant évidemment le couple. Là, on a de l'union. Il peut y avoir pour certains, certaines de l'engagement, un nouveau départ dans le couple et qui, donc du coup, on s'engage, on fait vie commune, on veut se marier, etc. Ça peut être l'engagement justement de prendre la décision dans le couple que ce nouveau départ, c'est aussi d'aller dans le sens de créer ou d'agrandir sa famille. Pour les autres, ce sera un nouveau départ à titre activité ou professionnel où on veut peut-être s'unir, on veut faire un partenariat, on veut s'associer pour créer son entreprise ou pour ne pas le faire seul. On a un projet et on veut le faire avec quelqu'un. Voilà. Bon, on nous parle aussi une guérison. Une guérison ou en tout cas une notion un peu d'union ou de s'unir à plusieurs, donc à deux, mais à plusieurs par rapport à des choses, des contextes, des démarches, ce que vous voulez, qui concernait des choses qui vous tracassaient fortement, qui concernaient des choses comme on voyait avec cette petite mamie qui ne bougeait pas, qui traînait en longueur. C'était stérile, ça bougeait pas trop, il se passait pas grand-chose, c'était obstacle sur obstacle, voilà. Donc là, ça nous donne une indication par rapport à quoi? Ouais, par rapport au fait que vous avez peut-être subi de la trahison, vous avez rencontré de l'adversité, des gens qui vous ont mis des bâtons dans les roues, qui ont fait en sorte que vous ne parveniez pas à réaliser vos projets ou que vos projets se cassent la figure. Voyez. Et on nous dit
Tout est juste, tout est ok, tout va aller pour le mieux et tout ce déroulement fait partie du processus. Donc on vous dit, ne vous inquiétez pas, les choses sont justes, vous êtes protégés, les projets le sont, etc. Mais même les choses difficiles, je vous ai dit, font partie du déroulement. Et on nous dit bien que vous allez récupérer quelque chose. Vous récupérez un mieux-être intérieur, vous récupérez une somme d'argent, vous récupérez une garde, vous récupérez un travail, vous vous adaptez selon le contexte dans lequel vous êtes et dans lequel vous attendez des retours. Et on vous valide qu'il y a des appuis qui vont être là pour vous et justement qui vous permettent d'aller vers cette issue favorable et positive. Allez, qu'est-ce que je pourrais vous faire? Vu le timing, on va vous faire un petit carte conseil là avec le petit oracle de Steph. Allez, un petit conseil pour nos amis qui nous regardent pour cette journée du vendredi 15 juillet, 16 juillet 2021. Allez, je vais la chercher parce que. Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Donc, on vous dit bien que c'est un travail de tous les jours. Hein. Voilà, on est toujours en quête du bonheur, mais on a tendance à oublier aussi que quelque part, le bonheur, on l'a déjà en permanence. Seulement, on ne sait pas le reconnaître, on ne sait pas le voir où il est déjà, ce bonheur. Le bonheur, c'est d'avoir une famille. Le bonheur, c'est d'avoir un toit sur la tête. Le bonheur, c'est d'avoir de quoi manger dans son assiette. Le bonheur, c'est d'avoir peut-être un beau jardin où on peut profiter de l'extérieur. C'est tout ça, le bonheur. Voilà. Et on vous invite donc aussi à vous inspirer des animaux. Alors, guérisseurs, c'est-à-dire faire appel aux énergies des animaux guides, des animaux totems, puisque chaque animal, c'est un peu comme animal, oui. Oui, je sais que c'est animaux pluriels, mais dans ma phrase, j'avais un doute. C'est comme les pierres. Elles ont chacune une vertu. Elles ont des choses qui sont parfois en commun, mais elles ont aussi des choses différentes. Chacune est là pour nous apporter telle ou telle chose. Les animaux, c'est pareil. Donc, on vous invite à aller voir sur Internet, taper animaux guides, animaux totems. Si vous ne connaissez pas, vous verrez que si vous faites appel au lapin, vous n'allez pas obtenir le même soutien, la même aide que si vous faites appel au loup. Et selon votre contexte, selon ce que vous traversez, des animaux sont plus propices à vous apporter un soutien aussi. Donc là aussi, on peut parler de soutien, d'appui, à titre énergétique, à titre céleste, bien sûr. Mais voilà, c'est les chamans appelaient toujours certains animaux avant de grands événements importants qu'ils devaient aller affronter. Ils faisaient appel à des animaux pour profiter de l'énergie que ces animaux leur apportaient. Donc voilà, de la clairvoyance, de la réflexion, de la combativité, etc. Donc allez voir, on vous invite fortement à faire appel aux animaux. Voilà les amis, plein de gros bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao!